Salut tout le monde, c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors là j'ai quelques informations pour vous en ce qui concerne le DLC Lowrider Partie 2. Ces informations ont été trouvées par The Dragon et Test Funds. On va directement commencer, regardez à l'écran, je vous ai mis des images. On peut apercevoir un AK-74U et là on peut apercevoir un fusil à canoncier. D'après les auteurs qui ont trouvé ces fuites, ces armes devraient arriver dans le DLC Lowrider Partie 2. Dans une précédente vidéo, quand j'avais dit que ces armes devaient arriver dans un autre DLC, soit le DLC Truand en col blanc, j'avais fait quelques erreurs en ce qui concerne les noms. En fait, j'avais confondu l'AK-47 et l'AK-74U et bien évidemment ces deux armes différentes. Test Funds a posté un tweet sur Twitter en parlant du DLC Lowrider Partie 2. À la première ligne, il a écrit « Double barrel shotgun », là on pourrait croire qu'il s'agirait du canon acier. Et à la deuxième ligne, il a écrit « Compact rifle », on pourrait en conclure qu'il s'agirait de la AK-74U. En tout cas, voilà en ce qui concerne les armes, merci à Test Funds et à The Dragon 1010 pour les informations. Normalement, le prochain DLC devrait arriver au mois de février, bien entendu ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, pour ma part, j'ai plus grand chose à ajouter à propos de ça. Dans la description, vous allez pouvoir retrouver mes sources comme d'habitude. C'est tout pour cette vidéo, et nous on se retrouve tout à l'heure, allez ciao !